Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous car j'ai une nouvelle à vous annoncer, qui est un petit changement au niveau de... Du moins un petit changement. Pas dire ça un changement, un petit plus dans ma vie de scrapeuse. Voilà, on va dire ça. Alors avant de vous présenter, vous dire la nouvelle, je voulais déjà tout d'abord remercier tout le monde, tous mes abonnés qui me suivent, mais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai regardé dernièrement, on était 487 abonnés. Je monte tout doucement vers la marche des 500 abonnés. Et en un an et demi, je trouve que c'est une bonne montée. Donc, je vous remercie de me suivre. Donc ma nouvelle est la suivante, c'est que avant Noël, j'ai été contactée par Fanny Scrap de chez Stampin' Up, qui m'a demandé de rejoindre son équipe qui déchire. Et donc, c'est chose faite, je suis allée chez donc je me suis inscrite donc en tant que démonstratrice Stampin' Up. Donc moi, ce que je veux faire, c'est vous inviter à créer avec moi et avec les produits Stampin' Up. Donc, pour ce faire, dans cette vidéo que je vous fais aujourd'hui, je vais vous présenter un kit de départ que je me suis fait. Parce que c'est quand on devient une démonstratrice Stampin' Up, on a le droit à un kit d'une valeur. La valeur du kit est de 175 euros, mais on ne paye que 129 euros. Donc, je vais vous présenter le mien. Celui que j'ai fait. Alors, pour toute bonne scrapeuse Stampin' Up, j'ai opté pour le coupe-papier Stampin' Up. Je l'ai essayé hier, nickel, dans la découpe et tout. Donc, vous avez la roulette pour faire les plis. Et ici, vous avez la lame de découpe. Donc, je ne l'ai pas encore trop essayé, mais le peu que j'ai coupé hier m'a convaincu. Donc voilà. Ensuite, j'ai opté aussi pour ce qu'ils appellent les stampings dimensionnels. C'est du papier, du 3D. Voilà, donc les petits et les plus grands. J'ai aussi opté pour les encres. Donc ça, c'est les dernières encres. C'est le lot 2020-2022. Voilà. Que j'ai trouvé très sympathique. Les couleurs me parlent bien. J'ai aussi, avec ces encres, opté pour du papier 30-30 aux mêmes couleurs que les encres. Voilà. Qui sont coordonnées parce que chez Stampin' Up tout est coordonné. Ensuite, j'ai opté pour ce set de tampons pétales délicats qui va aussi avec leur découpe. Voilà, découpe en dentelle que je suis très impatiente de tester. Voilà. Et comme vous le savez, dans mes vidéos précédentes, je vous avais fait des tutos fleurs. Je pense que avec ceci, je risque de m'amuser un petit peu et de vous faire envie de vous amuser aussi avec. J'ai aussi pris ce set de tampons, les s'allume-poulettes. J'avais déjà le premier qui s'appelait Mon Coussin. Donc, j'avais déjà le premier et j'ai celui-ci pour compléter celui-là. Moi, je les trouve trop sympas, ces petites poulettes. Elles ont, on va dire, elles ont un style d'enfer. Et donc, voilà pour mon kit de démarrage. Donc, aussi, vous pouvez ajouter les catalogues, tout le nécessaire administratif que Stampin' Up peut vous mettre avec. J'ai aussi, alors je vous les montre rapidement, en tant que démonstratrice qui débute. Maintenant, on a eu le droit à ce lot de papier.
Donc il y en a un petit paquet quand même, qui sont les papiers de la nouvelle collection, qui je crois débutera en juillet. Donc voilà ce qu'il en est pour mon kit de démarrage. Mais il m'en manquait, donc j'ai fait un petit commande en plus. Parce que j'avais des trucs que j'avais vus sur... moi. Il y avait des choses que j'avais vues sur Celebration et qui me plaisaient bien. Donc j'ai voulu en profiter. Donc si vous aussi vous voulez en profiter, n'hésitez pas. La Celebration c'est jusqu'au 28 février. Pour 60 euros d'achat, vous avez déjà le droit à un cadeau. Donc moi, j'ai pris les tubes de colle qui sont vendus chez Stampin' Up. Voilà. À ça, je suis venue ajouter donc les ciseaux. Et je suis venue ajouter cette super machine. Alors, c'est une petite. Moi, j'ai une format A4. Big Shot Plus, pour ceux qui connaissent. Et je trouve pas très pratique quand on a une petite découpe à faire. C'est pas très pratique. Alors, je me suis dit que celle-ci... Alors, on pourrait faire l'affaire. La taille n'est pas très encombrante. Je ne l'ai pas encore testée parce qu'elle vient juste d'arriver. Je suis même impatiente de la tester. Mais je pense que ce sera plus pratique quand on a des petites découpes à faire que d'utiliser une machine à 4. La machine à 4, c'est bien pour les gros dice. Donc avec cette machine, vous avez une première plaque pour les découpes. Les deux plaques transparentes dans lesquelles vous faites les sandwichs. Vous avez une plaque pour les gaufrages standard et vous avez une plaque pour les gaufrages 3D. Voilà. Donc c'est des plaques qui font, alors en taille, elles font 17,80 par 8,80. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai un nouveau jouet et j'espère que je vais bien m'amuser avec. Donc voilà pour mes achats. Et avec ces achats, donc je vous ai dit, j'ai profité de Celebration. Donc j'ai pris ces deux kits de tampons. Deux sets de tampons. Qui me plaisaient bien parce qu'il y a plein d'écritures et j'en ai pas beaucoup. Donc ça me permet d'avoir plus de texte pour faire les cartes. Et ce papier qui est super joli. Je le trouvais déjà beau sur le catalogue, mais en vrai, il est encore plus beau. Donc voilà, donc c'est, vous avez le recto, le verso, ou l'inversement. Voilà, moi je le trouve très très beau, les couleurs me plaisent énormément. Voilà, recto, verso, j'ai déjà une idée de quoi je vais en faire. Il faut vous attendre un mini album. Voilà. Et celui-ci, il est pas mal aussi. J'aime beaucoup les petits points, les petits taches de couleurs là, c'est très sympa. Les petites fleurs aussi, elles sont rigolotes. Hein. Vous avez un set de tampons qui va avec ça, qui s'appelle, alors je regarde dans le catalogue Celebration, qui s'appelle l'eau pensée vivace. Mais moi, c'est surtout le papier pour lequel j'y craque. Que j'ai eu, dès que je l'ai vu, j'ai eu une idée en tête. Je pense que ça fera partie de mes prochaines vidéos. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez 6 designs différents, du moins 12 designs différents en papier et recto verso. 6 ou 12, je ne sais plus. Non, c'est. Bref. Vous avez 2 designs par papier. Voilà. Donc voilà pour le matériel que j'ai acquis pour mon activité de démonstratrice Stampin' Up. Donc j'espère que j'ai aiguisé votre votre curiosité, que vous ferez aussi partie de mon aventure Stampin' Up. Donc ce qui est prévu déjà dans un premier temps, j'ai fait une page Facebook, ça s'appelle Ninin Scrap Crea fait son Stampin' Up,
Et je vous invite, si vous le souhaitez, à venir vous abonner à cette page. Sur cette page, j'envisage de faire des lives. Alors déjà, je vais voir comment ça me fonctionne. Et je vais aussi essayer de trouver une plage horaire qui va correspondre avec mon emploi du temps et le vôtre. Ensuite, si vous souhaitez passer des commandes avec moi, vous avez l'option où vous m'envoyez des messages privés via soit Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages privés. Ou si vous venez vous abonner sur ma page Facebook, vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés sur Facebook, du moins en passant par Messenger. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, si vous souhaitez aussi commander via le site Stampin' Up, vous n'aurez qu'à rechercher Sandrine Lacour en démonstratrice et je serai ravie de vous compter parmi mes clientes. Et si vous voulez aussi faire comme moi, vous lancer chez Stampin' Up, ben, n'hésitez pas, surtout qu'en ce moment, il y a toujours jusqu'au 28, il y a les 5 lots de papier en plus de votre kit de démarrage. Voilà. Donc, que dire encore? Je pense vous avoir tout dit. Je vous ferai des tutos Stampin' Up, mais je continue aussi à vous faire mes autres tutos. Il n'y a pas de souci, je reste à fond dans le scrap. Il n'y aura pas que Stampin' Up, il y aura aussi d'autres, parce que j'ai d'autres idées en tête avec j'ai d'autres idées d'albums. Voilà. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, ben, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Si vous souhaitez me contacter en ce qui concerne Stampin' Up, n'hésitez pas. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Ouh, c'est dur. Et puis, bah, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir!